10 joueurs qui ont rejoint le mauvais club. En 10, c'est Jadon Sancho. Il aurait pu signer pour Liverpool au lieu de signer pour Manchester United. Et depuis son arrivée chez les Mancuniens, il a eu de nombreux problèmes. En 9, c'est Calvin Phillips. Il a rejoint Manchester City mais n'a toujours pas joué un match entier de la saison. En 8, c'est Vlahovic. Il a choisi la Juventus au lieu d'Arsenal. Et toute la saison, il a été moqué par ses difficultés à marquer des buts. En 7, c'est Mudryk. Il a choisi Chelsea alors qu'il aurait pu rejoindre Arsenal. Et il a fait partie du naufrage de Chelsea durant la seconde partie de saison. En 6, c'est Richarlison. Il a marqué que un but en Premier League cette saison. En 5, c'est Nicolas Pepe, il a rejoint Arsenal et n'a jamais réussi à s'imposer chez les Gunners. En 4, c'est Aubameyang, il a rejoint Chelsea, il a été cantonné au banc de touche toute la saison. En 3, c'est Fernando Torres, il a quitté Liverpool pour Chelsea, il a été un flop total chez les Blues. En 2, c'est Kaka, il a quitté le Milan AC pour rejoindre Real Madrid et n'a jamais confirmé au sein de la Maison Blanche. Et en 1, c'est Joao Félix, il a rejoint l'Atlético Madrid et n'a jamais réussi à s'imposer sous les ordres de Diego Simeone. Lequel de ces joueurs a le plus flopé selon toi? Abonne-toi.